merci à tous les établissements, aux enfants et aux parents qui nous accompagnent. Merci à la Fédération Gabonaise de Basketball qui soutient la Kobel Back League depuis le début de la saison. Merci également à vous, mesdames et messieurs de la presse. Vous nous avez accompagnés à travers toutes les provinces du Gabon. Nous avons distribué plus de 700 ballons à différents établissements. Nous avons eu la participation de plus de 60 établissements à travers le Gabon. Maintenant, la phase régulière dans la phase de, dans la, la zone de Libreville s'achève aujourd'hui, place au payoff comme cela a été dit. Pour nous, ça va être l'occasion déjà de faire le bilan avec les encadreurs. Ce qu'il est important de rappeler, que nous avons constaté que le niveau a évolué depuis le début, que ce soit chez les filles comme chez les garçons. Et même au niveau des coachs, on voit des coachs aujourd'hui qui, au fur et à mesure que la compétition avance, ils se démarquaient à la fois du point de vue de leur implication et même du point de vue des interventions lors des réunions techniques. Donc je veux dire que le bilan est positif. Juste ce que nous pouvons déplorer, c'est nous aurons souhaité qu'on ait beaucoup plus d'implication du côté des ministères. Parce que nous, en tant qu'association, nous nous battons pour lever des fonds auprès du secteur privé. Et parfois, ce dont on n'a pas besoin, on n'a pas toujours besoin que des subventions ou quoi que ce soit. On a besoin d'avoir la présence de certaines personnes, qu'ils viennent voir, qu'ils participent. Et c'est vrai qu'on a les chefs d'établissement, mais il est aussi important qu'on ait beaucoup plus de personnes qui viennent, qui encouragent justement ces chefs d'établissement-là à pousser les jeunes vers le basket, vers le sport en général.